Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour cette fois-ci un mode de Sonic Generation sur la planète Wisp. Voilà. Et c'est carrément un monde entier, presque je crois. Oui, il y a 6 actes. Un monde de Sonic Colors sur Wii. Et cette fois-ci en HD évidemment et en graphisme des goûts du jour. Déjà qu'il était quand même très beau sur Wii. Là voilà. Bah, c'est même Sonic Colors, c'est même le jeu qui reprenait, je trouve, vraiment toute la puissance de la Wii hein, avec, avec Mario Galaxy, franchement. C'était assez impressionnant. Je me demandais vraiment si on était sur Wii là. On pouvait aller en haut, il y a plusieurs passages encore une fois. Merde. C'est plus rapide. Et oui, il est vraiment joli sur Wii. Et j'hésite d'ailleurs à faire un let's play ou faire tout simplement. Ah là 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 là, purée quelle faille. Faire un let's play ou faire un vidéo test. Mais moi, je pense que je vais faire un let's play hein, sur Sonic Color. Donc les autres let's play, hein, par exemple let's play Mario et Luigi, ça ne sera pas des simples let's play, déjà. Ce sera des trucs assez préparés, mais je vous dis pas plus. Je vous garde la surprise. Évidemment, purée. Il est chaud ce niveau. Il y avait plus d'anneaux sur Wii ou quoi? Pourtant, le gameplay de Generation est mieux que sur Wii Colors. Je comprends pas pourquoi je perds tout le temps. Sur Wii, je me souviens pas d'avoir tout le temps perdu ici. Bah, c'est vrai que sur Wii, il y avait des fois des niveaux assez chauds. Le Sonic Colors. Putain, enfin, par contre là. Là, évidemment, sur Wii, on a largement le temps de changer de direction parce que on va pas très vite. Même à la vitesse maximale, on va vite, mais c'est pas non plus très impressionnant comme là. Alors que là, on n'a pas le temps, quoi. Ça va trop vite. C'est pour ça que ça se voit que ce niveau a été fait de base avec un gameplay moins rapide, moins vif. Évidemment, dans ce jeu-là, on n'a qu'une couleur pour Sonic moderne. Une couleur, on a 6 couleurs, je crois, si je dis pas de conneries. Alors que là, dans Generation, il n'y en a que 2. Sachant qu'il n'y en a bah, qu'un pour chaque Sonic. Quoi. Un pour Sonic classique et un pour Sonic moderne. Sonic moderne, la fusée, comme vous avez vu. Et Sonic classique. C'est le hérisson violet, là. Celui qui peut grimper partout. Une transformation pas mal, c'est bien trouvé. Ça renforce pas mal le gameplay. Qui est déjà assez bon comme ça. Ok, petit fail. C'est vrai que je me souviens de ces passages aussi qui étaient assez chauds par contre oui sur Wii aussi. Putain, il y a un vieux mur invisible. Non. C'est pas vrai. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. On monte par là, là c'est un petit labyrinthe. Magnifique, mais le piétinement à la fin c'était de toute beauté. Faut applaudir. Bravo. Et en plus Sonic montre ses talents.
Voilà, deuxième acte, je crois qu'il y en a 5 en tout, peut-être 6. Ah, il y a deux actes, attendez. Les deux actes sont peut-être différents. Peut-être que l'acte avec Sonic classique est différent. Ah non, c'est le même. Ah, sauf que c'est, ouais, en... avec Sonic classique, et donc le gameplay est un peu différent. Bah, il est même pas du tout fait pour la 3D, ouais. C'est complètement bugué. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils nous ont laissé ça? Mais par contre, peut-être que là... Ah! Là, par contre, je crois qu'ils ont fait un vrai truc. Pour Sonic classique. Bon, sachant que là, quand même, ça a été assez simple à faire, je pense. Ils ont repris bah, les mêmes graphismes que l'on a dans Sonic Generation. Parce qu'il y a un niveau sur la planète Wisp, comme ça. Repris de Sonic Colors. Dans Sonic Generation. Donc voilà, ils ont repris exactement les mêmes modélisations, quoi. Enfin, vous voyez. Mais avec le tracé qu'on a dans Colors. Voilà. C'est ça. Et oui, je me souviens qu'il y avait des pics comme ça aussi. Ils étaient assez fiers de ça, là. Ils ont fait ça pas mal de fois dans pas mal de niveaux. La musique est sympa. Ah, voilà le truc hérisson, voilà. Ouais, si on peut pas aller en haut. Mais c'est qu'il s'accroche partout. Et ça fait aussi laguer le jeu. Voilà, c'est super. Allez, va dessus! Putain! Il est bugué, là. Oh, je crois pas, je suis bloqué. Ah, c'est une blague! Bon, d'accord. On peut pas se suicider! Bon, bah, on est obligé de tout recommencer, c'est super. J'adore! Vive les mods! Là par contre, oui, pour ça, les modes, voilà. C'est dommage. On est obligé de tout recommencer à cause d'un blocage. Ils ont pas pensé, parce que... Quand t'es développeur, il faut penser aussi, à chaque fois, si le joueur se viande, s'il tombe à un endroit, il faut, aussi qu'il puisse s'en sortir. Là, ils ont pas pensé à ça, évidemment, mais en même temps, c'est des modeurs, quoi. Pas des développeurs professionnels. On va pas prendre l'anneau rouge cette fois-ci, ça sert à rien, de toute façon. Voilà, on va complètement à droite. On va prendre ceci. Alors, si j'ai bien compris, ça fait exploser, voilà ça. Et je peux plus avancer, je sais pas pourquoi. Bon, j'espère que la transformation est pas loin, quoique ça doit être bon là. Bon bah, j'ai pas mis l'interrupteur. Du bas là, mais bon, on s'en fout. Voilà, purée, j'ai failli fail. Purée. Ah, le fond est super bien foutu. Mais c'est comme ça sur Wii aussi, hein. C'est vraiment... Le jeu ne manque pas de soucis du détail. Quoi. Et maintenant, nous allons faire la version Sonic moderne. C'est parti. Ah, si ça se trouve, c'est la même chose.
Ah non, c'est la même chose. Mais avec le gameplay Sonic moderne, avec peut-être quelques changements, mais des petits changements quoi. Non, c'est la même chose quoi. Non, je pense qu'ils ont vraiment fait les niveaux de base que pour Sonic moderne. Même si celui-là collait bien à Sonic classique. Non, c'est exactement le même. On va essayer avec Sonic moderne. Non, on n'a pas de temps à perdre. Je veux dire, on a du temps à perdre. Ah, c'était pour ça d'ailleurs qu'on pouvait plus ressortir avec Sonic classique. Parce que c'était mal maîtrisé avec Sonic classique. Ils ont pas pensé avec Sonic classique. Ils ont pas pensé que Sonic classique pouvait péter les caisses. Là. Ah là, normalement, on doit jouer comme ça. Bah, cherchez pas, il n'y a que des niveaux avec Sonic moderne. Tiens. Bon, alors, ça sent que c'est plus maîtrisé. Ouais. Ok, sauf là. Mais quel talent! Voilà un petit S, hein. Un petit S des familles. Alors on va faire l'acte 3. Bon, à chaque fois il y a ces écritures cheloues au temps de chargement. Bon, quand il y a ces écritures cheloues, ça veut dire que c'est bon signe, c'est que le truc il plante pas. S'il n'y a pas les écritures cheloues, s'il n'y a que le temps de chargement de base. C'est que... Purée! Et pourquoi il court du mauvais côté? je peux pas me retourner, je fais rien. Là, je touche rien à la manette, il court tout seul. Bon, petit bug. Évidemment, le bug n'arrive jamais sur Wii. Hein. Évidemment, c'est du made in mod. Mais les musiques, ouais, c'est vraiment les mêmes par contre. Ouais. On a sur Wii. Je pense à chaque niveau, c'est vraiment les mêmes musiques. De la Wii au PC. C'est en gros, si vous avez pas la Wii. Voilà, vous avez Sonic Generation sur PC. Et c'est bon. D'accord. J'ai failli tomber. Bon allez, hey. Super Sonic. Est-ce qu'il vole? Non. Il vole pas. Je voulais essayer, mais non. Trop risqué. Ça marche une fois sur 10 ce machin. Ouais, on descend tranquillement. Alors, faut faire gaffe, hein, les plateformes sont vraiment petites. Et là, je sais pas où aller. Aller en bas. Putain, c'est chaud. Et quel talent. Voilà, vous avez vu. Quand vous avez fait des années et des années de jeux de plateforme, vous êtes rendu à ce stade. Ah, le dernier acte peut-être. Parce que attends, il y a... Ah non, il y a 6 actes, 6 actes. Ouais. Donc acte 4, c'est parti. Ah, acte en 3D. C'est plus stylé. Même s'il n'y a pas beaucoup de 3D dans Sonic Colors. Et la plupart du temps, les phases en 3D, voilà, c'est ça, c'est... On fait surtout des virages comme ça, des gros virages. Et pouf, après, on se retrouve encore avec de la 2D. C'est pour ça que j'ai moins bien aimé ce Sonic. Parce que, autant, j'aime bien les Sonic 2D qu'on a sur Mega Drive. Mais les Sonic 3D qui font de la 2D, je suis moins fan. Voilà.
Ah, c'est aussi sympa, je trouve, mais ils auraient pas dû. Je trouve qu'il y en a trop dans Sonic Colors. C'est pour ça que pour moi, Sonic Colors, c'est pas un grand jeu, quoi. C'est pas. C'est un bon petit jeu, un bon petit jeu de Sonic. Bon, quand même mieux que Shadow the Hedgehog, hein, faut pas déconner. Mais. Bah, tu sens que c'est maîtrisé et tout. Putain. Tu sens que c'est maîtrisé et tout, mais voilà, quoi. C'est des. Les niveaux sont quand même assez. Bah. Pas répétitif. Pourtant, il y a des bonnes trouvailles à chaque niveau. Le problème, c'est qu'il y a trop de 2D, quoi. Et à chaque fois qu'il y a de la 3D, bah, c'est pour pas grand chose. Ils ont fait ça, je pense, c'est parce que. Dans Sonic Colors, t'as une mauvaise maniabilité de Sonic en 3D. Il est pas très bonne, donc. On a d'ailleurs aussi dans Sonic Unleashed, la maniabilité est pas si bonne que ça en 3D. Mais je pense que bah, pour pallier à ça, bah, voilà, ils ont surtout fait de la 2D. Ce qui complique moins la chose. Seul problème dans Sonic Adventure, certes, des fois, c'est vrai que la maniabilité était pas tip top, mais quand on maîtrisait le jeu, ça passait quand même. Bon là, évidemment, quand on fait Sonic Generation ou Unleashed sur PS3 360, on se rend compte quand même que c'est mieux maîtrisé. Et aussi sur Sonic... Attends, comment il s'appelle? Sonic Lost World. L'avant-dernier Sonic. Enfin, le dernier vrai Sonic. Parce qu'on va pas dire que Sonic Boom, voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait une autre licence que Sonic, en fait, en faisant Sonic Boom. C'est bon, Knuckles, on reconnaît pas du tout. Il a pas eu tout ce comportement. Sonic... avec son foulard, c'est un peu chelou. Bon, sinon, il a le même comportement. Ici, Amy, elle a un comportement un peu chelou aussi, je trouve. Là, c'est moins la folle amoureuse de Sonic, quoi. Enfin, Sonic Boom. Bon, après, j'ai pas regardé l'animé, même si l'animé a l'air fort sympathique. Non. A l'air fort ennuyeux. J'ai regardé un épisode. Je me suis forcé à regarder tout l'épisode. Et non, j'en ai vu assez. Ils ont tué Sonic, tout simplement. Mais le jeu en lui-même n'est pas nul. Hein. Mais pour moi, c'est pas un jeu Sonic, parce que c'est un beat'em all, tout ça. Enfin, c'est pas... Et l'univers, ça s'y prête pas trop, quoi, à Sonic. Quoique, il s'y prête mieux, quand même, que dans... Finalement, dans Sonic Adventure, ouais. Et oui, ce qu'on veut finalement, c'est plus d'univers à la Sonic Colors par exemple, des univers qui font plus ce type Mega Drive, plus l'univers de Sonic tout simplement. Souvent la nature, mais avec des usines parce qu'il y a Robotnik qui est dans les parages. Mais c'est pas la planète Terre, putain. Enfin, fiche. Mais bon, d'un côté, ce qui est chelou, c'est que bah, j'avais bien aimé cet univers, moi, à l'époque. Qui est finalement assez spécial, mais... Après, on s'y habitue. L'univers... à partir de la Dreamcast. D'ailleurs, bah, finalement, on se rend compte que... Là, ils reviennent à l'ancienne, en fait, Sega, pour les Sonic. À partir d'à peu près bah, de Sonic Generation, finalement. Parce qu'il y a eu déjà le Sonic classique qui faisait un peu ça. Et surtout de Sonic Colors, parce que Sonic Colors fait plus univers enfantin, joyeux, bah, la Sonic Style. Quoi. Enfantin, joyeux, mais à la fois classe, avec des loopings. C'était ça qu'on voyait dans les Sonic. Alors que... Dans les premiers Sonic. Alors que à partir de la 3D, bah, c'était au tout début, c'était... le Sonic très réaliste, quoi.
T'avais toujours les loopings stylés, mais dans un monde très réaliste. Donc voilà, c'était ma petite histoire sur Sonic. C'est arrivé comme ça d'un coup, voilà. Vous avez l'habitude. Oui, vous pouvez vous dire que je suis fou, oui. Je change d'avis d'un coup. Ou que je change de conversation soudainement. Je parle de... Putain. Je parle de l'historique des Sonic alors qu'on se fait un petit mode de Sonic Generation comme ça. À la bonne franquette. Voilà, fini. C'était le dernier acte, je crois. Mais voilà, j'aime bien vous dire ce que j'en pense comme ça, de Sonic. Des jeux Sonic depuis fort longtemps. Même si évidemment les Sonic Dreamcast Adventure sont de très bons Sonic, l'univers c'est pas forcément du Sonic pur jeu. Voilà. Même si le rock'n'roll colle très bien au hérisson. Voilà, sur ce, je vous dis à la voyure pour un nouveau mode, pour des nouveaux. Pour de nouveaux de nouvelles critiques sur Sonic et ses bandes. Voilà, c'est magnifique. Pourquoi il y a eu autant de personnages inutiles qui sont apparus dans Sonic Heroes? Eh bien, vous le saurez dans le prochain mode de Sonic Generations.